bien, c'est ainsi. C'est tout ce que tu obtiens pour m'avoir désobéi. Est-ce que je savais que cela allait se finir ainsi? À un certain degré, oui. Pour quelle autre raison aurais-je aidé ce robot à réaliser son rêve? Les seules émissions que les monstres aiment sont les combats à mort. Alors quand ce dernier a dit vouloir être une étoile sans aucun combat, oh, cela m'a bien fait rire. Et finalement, cela fut vraiment divertissant à la fin. Pourquoi me regardes-tu ainsi? J'ai fait de son rêve une réalité, comme il me l'avait demandé. J'ai fait en sorte que tous les habitants de l'Underground voient son émission. Pour être plus précise, j'ai juste programmé les chaînes de tout le monde sur un moment bien particulier. Mais même si je n'avais pas utilisé ces méthodes, le résultat aurait été le même. Quoi qu'il en soit, je vais aller regarder s'il n'y a pas encore quelques pièces utiles et réutilisables. Faire cette chose en partant de rien, c'est assez fatigant, tu sais. Alors, ne bouge surtout pas et reste ici. Quoi? Je te l'avais dit avant, non? La seule raison pour laquelle je ne te signale pas au roi est parce que je souhaite faire des études sur ton étrange comportement. Maintenant que j'ai fini de punir cette chose, les véritables recherches vont pouvoir débuter. Sois donc excité. J'ai préparé la plus parfaite des expériences. Voyons voir. Il a tout gâché. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu foutre à ce point mon art en l'air. Toutes les armes semblent avoir été arrachées de force. Et comment... Quand a-t-il pu avoir cette chose? Et cette... Attends... Pourquoi c'est encore activé? Quoi? Non. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire. Mais je ne peux pas laisser une autre personne souffrir comme j'ai pu souffrir par votre faute. Ouvre cette chose! Maintenant! Il semblerait que vous aviez raison. J'ai gâché toute ma vie pour un rêve futile. Mais, bien que tout ça soit soldé par un échec désastreux, vous êtes resté avec moi. Jusqu'à la fin. Alors, je me dois bien de rembourser ma meilleure spectatrice d'une façon ou d'une autre, non? Ouvre cette merde! Maintenant! Tu m'entends? Il n'y a pas de caméra ici. Mais, restez tout de même en ligne, mes chers spectateurs. Les explosions, ça n'arrive pas qu'une seule fois. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial avec nous. La principale raison qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Docteur Alphys! Et ensemble, nous allons vous présenter l'épilogue du show d'aujourd'hui, la revanche! Je pense que c'est une belle fermeture, ne pensez-vous pas, darling? Merci. Merci d'avoir été ma seule spectatrice, jusqu'à la fin. Ferme-la et... Le chemin est bloqué par deux cadenas. Il y a une note attachée. Personne n'entre sans ma permission. Il y a un pendentif en forme de cœur dans la boîte. Le prendre? Oui. Tu obtiens le pendentif en forme de cœur. Il y a une dague rouillée dans la boîte. La prendre? Oui. Tu obtiens la dague rouillée. Tu prends la clé et la places sur ton porte-clés. Malgré tout, tu es toujours toi. Peu importe ce qu'il s'est passé avant.
Howdy.